Gentlemen, and welcome to the 14th edition of the Bocuse d'Or for the year 2013. And let me introduce all of you to Vincent as well, who's peeking around in the corner. Good morning, Vincent. Sometimes? I'm sorry? Don't you feel lonely sometimes? I've got all these wonderful chefs out here. Look at our wonderful audience. How could you feel lonely here? I missed you, though. Bonjour, les Finlandais. Bonjour à tous, les amis. Bonjour à tous ceux qui sont venus dès ce matin, bientôt. Assister à ce Bocuse d'Or, à cette première journée du 14e Bocuse d'Or ici sur l'espace Paul Bocuse du CIRA de Lyon. Je vois également des drapeaux argentins, on dirait bien, là-bas. Non, c'est quoi comme pays? Ah, c'est non, pas du tout. En fait, regardez, on ira là-bas jusqu'au bout de cet espace scénique pour vous présenter toutes les nations qui sont présentes au nombre de... How many nations here today competing? There are 12 nations that are here 12. Competing. They started off at 8 o'clock this morning and were set off at 10-minute intervals. That means the country that is in box number 12 only just got started. It's brand new because, you know, the pastry chefs didn't work in box number 12 yesterday. There was only 11 nations. Yep. Et c'est le Guatemala qui est là-bas qui s'est... C'est le Guatemala qui a le box numéro 12 et qui terminera les épreuves ce soir. Alors, si vous le voulez bien, en attendant que tout cela se mette tout à fait en route, parce que les candidats, eux, sont présents depuis l'aube ici dans les box. Vous l'avez certainement noté, si vous n'avez pas l'habitude, que les box ont été dégagés. Ce sont des box décapotables que GL Events vous a concocté cette année, de manière à mieux voir, vous, public, qui êtes là présent sur le CIRA toute la journée. N'hésitez pas à venir nous rendre visite, n'hésitez pas à venir sur cet espace pour voir les meilleurs cuisiniers du monde s'affronter dans cette épreuve, dans ces box qui sont complètement ouverts. On n'a rien à cacher, rien dans les mains, rien dans les poches, tout dans la casserole. So this year is going to be a very exciting event for all of us here. It's the first time that we're doing some of these new changes for this edition. Not only have the chefs been training for this, but they have monkey wrenches being thrown at them left, right, and center. They only found out what fish they could use this last November. So they've only had a couple of months to train with their fish dishes. And yesterday they also got to go on a little bit of a shopping spree. They had a set amount of time to go and pick up a few ingredients for themselves that are seasonal ingredients, and they had then to sit down, they had 1 hour to write out recipes for 3 garnishes that they're going to use, and one of those garnishes has to be native from their home countries. It's so exciting to have these new changes, and the fish dishes this year are not coming out on platters, they're coming out on individual plates to make it feel more like the restaurant experience.
Merci Angela, oui, de le préciser à tous ceux qui nous rejoignent ce matin. Des épreuves qui ont évolué dans le temps de manière à donner toutes leurs chances à des nations, je dirais parfois moins riches sur le plan culinaire, mais surtout qui ont des budgets moins importants pour venir s'inscrire. Il est important d'ouvrir le Bocuse d'Or à des nations qui ont envie de bien faire et qui n'ont pas forcément le budget pour. Alors on a simplifié les choses et en même temps on les a un peu complexifiées. Par exemple, l'épreuve de viande n'a pas beaucoup bougé, elle sera servie sur plat, mais l'épreuve de poisson qui utilise aujourd'hui du turbo label rouge, eh bien, on a hier, nos amis de chez Metro ont proposé un grand marché de produits végétaux, des fruits, des légumes, de manière à ce que les chefs présents aujourd'hui ici fassent leur marché. Ensuite, ils ont eu une heure pour écrire la recette des garnitures qui allaient accompagner ce plat. Et ces garnitures, une de ces trois garnitures, doit faire appel à un produit de leur pays d'origine. C'est très important parce que c'est ainsi que l'on peut faire passer aussi sa culture culinaire aux chefs venus du monde entier, de 24 nations qui sont présentes pour la moitié aujourd'hui ici en compétition. Alors, cette règle qui a changé également sur le plan de la présentation, vous êtes habitué certainement, si vous connaissez le Bocuse d'Or, à avoir des grands plats extrêmement complexes mais extrêmement graphiques à la fois. Eh bien, le plat de poisson sera envoyé, lui, sur des assiettes individuelles qui rappelleront à nos jurés et qui rappelleront aux chefs qui travaillent ici le service d'un restaurant, car c'est ainsi qu'il faut entendre la cuisine, elle est celle des restaurants. Et bien voilà, le restaurant fait son entrée par ce biais dans notre concours du Bocuse d'Or et sera servi tout à l'heure par les élèves de l'Institut Paul Bocuse au jury qui s'installera dans quelques minutes. You know, I just realized that there's one other change that is happening this year, is that there is a cooking jury. So this is new to the Bocuse d'Or again this year for 2013, that there is a cooking jury that has been organized by the International Committee that will oversee how the chefs are working in their individual kitchens to see how their cleanliness is, how they're working towards the audience, so that everybody out there, all of our viewers, can see better what they're working on. All of these are going to be marked, and in the case of a tie, those points are going to come into play. So we'll see how that goes on throughout the day. That means that there's going to be more chefs out here, more people that are busy marking scores all day long. Voilà, Angela, peut-être le temps pour nous d'aller visiter tous ces box. Oh, definitely. De vous présenter les équipes en présence. Let's start in kitchen number one. We're going to go and visit the boxes, the kitchens. Ces équipes qui sont composées, comme vous le savez, d'un chef, un chef de cuisine et d'un commis. Censé apporter son aide. Alors, la grande différence avec les autres années, c'est qu'il y a un partage de ces box, bien qu'ils soient coupés en deux par le milieu. Eh bien, les équipes sont pratiquement dans un même espace scénique, de manière, comme je vous le disais aussi, à favoriser l'aspect pratique et puis l'aspect télévisuel des choses, l'aspect spectacle. On a complètement ouvert les box de manière à ce que vous, chers amis, qui êtes dans le public, puissiez voir ce qui s'y passe. So here we are in front of the first kitchen for the day. He started off first this morning, and we are in front of kitchen number one for Iceland. Iceland supporters, let me hear you make some noise. They all have their back turned. Good morning, Iceland. You want to make some noise for us? How many Icelanders over there? Ah ben, y en a pas mal. Alors effectivement, le box numéro 1, c'est le box du chef Sigurdur Haraldsson, le chef islandais qui est aidé dans son épreuve aujourd'hui par son commis Hafstein Olafsson. Les Islandais, cette terre de feu et de glace que l'on aime, vraiment la limite nord de l'Europe, hein, c'est vraiment le nord du nord de l'Europe, c'est un peu notre Alaska à nous, hein, l'Islande. So very high in the northern hemisphere there, yes, it's true. So we're just taking a look, it looks like this morning that we have, you know, what's interesting is yesterday we saw someone for pastry using elderflower. And so today we see elderflower again in an elderflower vinegar. Now I see it a lot, especially in cocktails. It's a very nice, fragrant mixture. I even use it in my house as well. So we're looking forward to seeing this. There's going to be some also traditional garnishes, as we were saying, for the fish menu with some smoked salmon. So right now it looks like he's working in the front here.
Comme nous sommes des amis, Angela, et comme ses amis ne l'appellent pas par son nom, nous allons l'appeler Siggy. C'est comme ça qu'il s'appelle, Sigurdur. C'est comme ça que... That's the way the friend, his friend call him. Like Siggy. A nickname. Hein? Like it's a nickname. Nickname. It's Siggy. A nickname. Siggy Haraldsson. So we'll be calling him Siggy all day long. Is that okay with you? That's okay with me. Is that me. Okay with the chef? Yes, it's okay with the chef. Okay, on a donc le, la Wonderful. Permission du chef de l'appeler Siggy. Et on le retrouvera tout à l'heure alors qu'il est en train de préparer son plat de viande. Okay, Siggy, we'll come and visit you again later on in the day. Eh bien, on est descendu un petit peu du cercle polaire. On est descendu, on reste en Europe, on reste dans les pays scandinaves. Dans le box numéro 2, je vous demande d'applaudir l'équipe de Suède. Et oui, well, c'est le chef. Sweden. We have Adam Dahlberg here. You've got your great supporters. And you know what? The stands for that they've blocked out for themselves are only like 25% full. So can you imagine as the rest of the team or as the rest of the supporters wake up and come and visit how much noise they're going to make? Yes, well, they use, the, you know, the Swedes, they used to blow in their horns very hard. Show me again how do you... You know those Vikings? They always, huh? The way they do on their drakars. Yeah. You know? So, voilà, cette équipe suédoise, bien le chef, c'est Adam Dahlberg, qui est en train de travailler. What does it mean, morgue? Bone marrow. Ah, it's a marrow. Oh, bone marrow. It's a marrow. I learned a Swedish word today. Morg. What's the pronunciation? Sorry, Mari. Huh? Mari. Mari. Mare. Voilà. Oh, but it looks, voilà. It's spelled M-A-R-G. Mare. It's the bone marrow. C'est la moelle de bœuf hein, qui est utilisée, qui est ici en plaque, qui est utilisée et qui s'écrit M-A-R-G avec une sorte d'accent sur le A. Mare, c'est le nom de la moelle. Oh, what is this? Voilà. So we have a little bit of something here that's a demonstration out in the front. Coach, what are we looking at over here? Well, you might say that that's the essence of traditional Swedish cooking. The drying, the brining or the salt, the smoking, the sugar together with the Swedish vinegar ättika that makes the pickling. That's a long ago tradition to preserve food. And Adam, well, we don't have to preserve food for so long nowadays, but those flavors are something that we really connect to in Sweden. And Adam has those flavor more for taste than for flavor than for preserving, and that's what's going to show us today. So what exactly is this one here? Lyken. Lyken? It's a reindeer's. It's reindeer grass. You know the oh, one what you the find? Reindeer eats. Yeah. What's reindeer here? Oh. It's, so we say lichen en lichen. Français. C'est les lichens. Donc le sel, le gros sel, le bois pour fumer, hein, pour fumer mm-hmm. les poissons, le sucre. Et ça, c'est quoi ça? Ättika. Ättika, c'est quoi? Ättika. Swedish vinegar. Ah, it's a Swedish vinegar made out of what? From alcohol? But, yes. Yes. It's an alcohol vinegar. Okay. And voilà. who is this gentleman here? Well, this gentleman, he's Sven-Gunnar Svensson, our late honorary president. Unfortunately, he couldn't come here this year. He's been here since 1987 with the Swedish team, and he's very satisfied as Adam is the competitor for Sweden. And he's with us during all the trainings, and he's with us today as well. And a very nice man. And he loves Ettika, so... Oh, so it's a he's tribute here to watching him. Over everybody. Okay, that's wonderful nice. To have him here. Because we miss him. We used to see him every year, and he has difficulties with walking right now, so he had problem to come, I guess. Okay, ben oui, on le salue, hein, notre okay, ami suédois. Thank you. Effectivement, avec des torchons de la Team Sweden. Okay, and so now we're moving over to kitchen number 3 for Team Singapore. Any Singapore supporters? Oh, you guys came. So we have about 5 or 6 supporters now.
Wonderful to have people supporting Team Singapore. Are you being partial again? I'm trying to be very neutral, but Team Singapore has to travel a long distance to get here, so I'd like to help support as well. Alors effectivement, notre amie Angela, qui est un petit peu partiale parce que ce sont ses amis de Singapour dont elle est originaire. Alors Singapour, eh bien c'est le box numéro 3. Je vous demande de les applaudir parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Ah ben si, ils ne sont pas beaucoup mais ils font du bruit, ils ont des beaux drapeaux. Voilà l'équipe de Singapour. So we have contestant Eng Tong Yu for Team Singapore. Hello Eng Tong. Eng Tong Yu et son commis c'est Kok Chuen Tam qui est en train de préparer une sauce aux herbes là-bas dans son mixeur. Alors je tiens à vous préciser qu'aujourd'hui, en dehors de toutes les personnes qui vont se succéder dans les box pour voir travailler tous nos amis cuisiniers, eh bien, nous aurons le concours d'un très grand chef français, Régis Marcon, qui sera appelé à être notre œil en cuisine. C'est lui qui se promènera dans les box et qui nous donnera des petits renseignements au fur et à mesure sur la façon de cuisiner de ces chefs. Alors, Régis, il a l'œil. Hein, c'est un très grand chef, 3 étoiles Michelin en Auvergne. Un très grand chef et un très grand formateur de chef, donc il a l'œil pour voir exactement ce qui se passe en cuisine. On le retrouvera au long de la journée. So what's interesting is I'm just taking a glance over Team Singapore's menu here. It looks like we're going to be surprised by some of the things that they bring out. They are going to bring out a few things that I'm sure you don't see in Europe very often because it's not the traditional foods that would be served even in a Singapore restaurant when you're visiting, or a Singapore restaurant that's outside of Singapore. You'd really have to travel to the country to see them. One of my favorite things that looks like they will be putting on their fish plate is something with laksa. Laksa is like a soup almost that's like thick. It's a gravy slash soup with like these really bouncy kind of noodles in it. One of my favorite dishes. Oui, merci Angela de nous préciser que les plats préparés par Singapour ne sont pas très usuels. Ce sont des plats que l'on ne voit pas très souvent sur les tables de Singapour. C'est vraiment de la nourriture traditionnelle, des plats traditionnels. Bah, quand je vais vous dire les noms, vous allez tout de suite savoir. Hein. When I'm going to tell you the names, you'll recognize the dishes. Can For you instance, pronounce them? Alors, pour exemple, nous avons du kue lapis. Kue lapis is kind of like a small snack thing that's... A filled pastry shell? Or no, the kue lapis? Oh, kue piti. Oh, kue lapis is their dessert. It's a layered dessert. And goyang? Never heard. I was reading that. I actually don't even know how to pronounce that. But apparently it's a sausage-like pressed meat. Chai tau kue? So that's... What they're going to show us is what they call carrot cake, but there's no carrot involved in it. Okay. It's actually a turnip. A turnip, okay. And what about kue pieti? That's the pastry that is stuffed inside a very thin shell. Like ravioli? Not at all. Okay. It's crunchy. Like a dumpling? Not at all. Okay. But I think... when we see these on the plates later on, that we might not even be able to distinguish them because they're going to be more modernized. Voilà, so alors, maybe they'll have pieces of those flavors in it. Angela, qui connaît bien la cuisine de Singapour, nous explique effectivement, lui aussi, le candidat de Singapour, il est en train de tailler de la moelle de bœuf pour son plat. C'est Angela qui m'a parlé d'un dessert à l'instant. Dans le box numéro 4, eh bien, je vous demande d'applaudir l'équipe de Chine. Here we are in front of kitchen number 4 for China, China supporters. Now, welcome, China supporters. So far, 5. Hopefully, more people will come in the afternoon. We Surely. Have Jianping Sun. Maybe after the closing of Chinese restaurants in Lyon, we'll have more Chinese supporters in the afternoon. Jian Pingson, c'est le chef, Wei Chu, c'est le commis, et il est en train de travailler, Jian Ping, il est en train de mixer de la chair de turbo pour préparer son plat de poisson qui
qui, comme vous le disiez tout à l'heure, Angela, eh bien, sera servi cette année sur assiette et non plus sur, sur plat unique. Ah, le poivre, très important le poivre, un petit peu de sel et hop. So, vous voyez, la cuisine c'est facile hein, quand on est bon. So it looks like for the menu for Team China, what's going to be on their beef menu is Sichuan Mapo Tofu. Mapo Tofu is very nice. It's big curds of tofu intermixed with a very spicy Sichuan chili oil and pork. So there's always pork in these dishes as there are in a lot of Chinese dishes. So we'll see if this is more done in a more classical kind of way or a more modern way. But my favorite part of eating Sichuan cuisine is Sichuan chili peppers. It's a totally different kind of spice. It's not the spice that hurts you. It's the spice that's almost like having firecrackers in your mouth because it tingles. It Absolutely. Tingles instead of making your eyes run. It's very nice. It's lovely. Like it's fizzy on your tongue. Kind of, yeah. Oui, oui, c'est très amusant. Effectivement, Angela nous parlait du poivre de Sichuan, de ces baies de Sichuan qui sont comme un, voilà, comme un petit peu pétillantes sur la langue. Alors, c'est pas épicé, c'est pas fort, mais c'est comme avoir elle disait des firecrackers, des petits pétards sur la langue qui donnent cette impression de pétillance, de pétulance même des plats. And right in the front here as well, we can see that there's a big pot of chili oil. So it's like a bright red oil, and that's probably been mixed with Sichuan peppers as well. It could be mixed with a Sichuan and a dried chili pepper. I'll give you a smell. Voilà, une huile une huile au piment de Sichuan qui ont été en fait frits dedans pour garder cette huile pimentée pour le plat de l'équipe de Chine. Dans le box numéro... Oh, very interesting here. So... Dans le box numéro 5, c'est l'équipe du Brésil avec Fabio Watanabe et Alvaro Gasparetto. Here we are in front of kitchen number 5 for Brazil with chef Fabio Watanabe. Look at this picture. It's very nice. It's... looks like a heart, or it's a face made out of water and fire. And so we have some interesting things here in the front of coach. What are we looking at here? What are these? Attendez, on va demander donc au coach de nous renseigner. On a des petits piments là. Viens les voir dans la. Voilà. Ah, vous avez des petits piments, c'est des petits piments de bec d'oiseau, mais ils sont très doux ceux-là. Faut pas se tromper. Hein. Ah, parce qu'ils ressemblent à un bec d'oiseau, vraiment. Et ceux-là, en revanche ? Non, ceux-là aussi, ils sont très doux aussi. Oh, those are habaneros. On a rapporté que des piments très doux. Que des douceurs du côté du Brésil. C'est ça, oui. See, I can actually eat those. I enjoy spice, so this is great for me. On a rapporté aussi une noix de kumaru. Hein, qui est d'en haut du Brésil, au nord du Brésil. Et on va faire une petite mayonnaise différente. Et voilà. D'accord. Ça, c'est du laurier ? Oui, du laurier, oui. Okay. Hein. Et ça ? Alors, des pommes de terre douces, mais... Patates douces. Patates douces, mais rouges. Ouais. D'accord. So, some type of red tuber. Ça, c'est des chrysophiles, des chouchous. Des chouchous, voilà. Hein, que des douceurs, des chouchous. Oh, ils veulent être gentils. Et ça, alors ? Ça, c'est... Des concombres amers ou non, ça ? Non, ça a le goût du concombre, hein? Mais c'est des machiches, on appelle ça machiche. I have no idea what that is, but this is chayote, so oui, we see chayote. This. Chayote, I actually love this. When you peel this, though, if you touch it to your hand, it can take off the top layer of your hand. It's very astringent, but it's supposed to be right. Very good for you as well. Do you know what the translation for that would machiche. Be? Machiche. Ça a un petit peu un goût de concombre, c'est un peu une cucurbitacée, mais... avec un goût très particulier. Et ça, alors, derrière, coach ? Là, derrière, c'est le cœur de palmier frais, hein, le palmito pupunha. Is that the heart of palm? Yes. Okay. The fresh.
Alors, je vous invite, si vous avez l'occasion, à aller dans des pays où on peut manger des cœurs de palmier frais. Ça n'a juste rien à voir avec les cœurs de palmier en boîte ignobles qu'on mange chez nous en général. Sur les buffets de, les mauvais buffets de crudité, on se trouve du cœur de palmier immangeable. Là, c'est extraordinaire. Hein. C'est un goût quand c'est traité en frais. C'est délicieux. On pourrait le comparer à l'artichaut. Nous qui sommes français, qu'adorons manger l'artichaut cru, cuit, en barigoule, c'est la même chose avec le cœur de palmier. Des petites tagliatelles fraîches, une salade, simplement grillée ou simplement rôtie au four aussi. Et on a aussi de la cachaça, qui est un peu la cachaça, c'est un peu le rhum brésilien, quoi. Hein? Tout à fait, oui. Bon, ben merci. Beaucoup de produits. A lot of products. Yeah, I like that people are putting out the displays. C'est bien, c'est très bien. On est très contents. Et on vous demande d'applaudir le Fabio Watanabe et Alvaro Gasparetto dans le box numéro 5 du Brésil. Welcome, Brazil. Here we have in front of kitchen a number 6, Issam Jafari. Dans le box numéro 6, le Marocain Issam Jafari, aidé par Anas Ifis Sokomi. Voilà okay. L'équipe du Maroc qui a très bien tenu sa place hier avant-hier dans le concours de la Coupe du Monde de pâtisserie et qui est aujourd'hui ici pour en découdre sur le plan culinaire. On ira voir avec beaucoup également côté marocain de produits locaux, bien entendu, une cuisine ancestrale, une cuisine royale qui a perduré au travers des siècles et qui est certainement des toutes meilleures de l'Afrique. So this is Morocco's first time to join us here at the Bocuse d'Or. So we're very interested in seeing what they produce. This is the first kitchen that we've come to where the chefs have been in a frenzy, like very busy, moving around, like that this is the end of the day, but they are running like mad. I think that we should let them get on with their cooking. Well, there's a lot of work to do, so... There is a lot of work to do. Voilà, là, on est devant un fumet de poisson qui sont faits avec les parures et les têtes des turbos utilisés. Ce fumet de poisson qui servira à faire une bonne sauce tout à l'heure pour la dégustation de ce plat de poisson sur assiette, comme le disait tout à l'heure. So perhaps that could be a stock right there in the front of the bench. Alors, coach, on disait, ils sont un peu agités les Marocains. On voit des garçons qui travaillent extrêmement tranquillement. Eux, ils sont plutôt dans le rythme et dans un stress positif. Tout à fait, oui, bien sûr. On a des timings à respecter, donc il s'en met pas trop mal pour l'instant. Donc il a une conduite à suivre. Et actuellement, il est bien, donc on va tâcher de continuer comme ça pour aller jusqu'au bout. Vous avez fait comme un conducteur, en fait, de toute la... D'ailleurs, vous avez 4 timers, hein, 4 montres qui sont pour chacune des cuissons, chacune des préparations. Tout à fait. Là, on arrive sur la fin des cuissons, en fait. Là, il arrive sur une partie critique où il a toutes les farces à préparer. Donc après, une fois que cette étape sera préparée, ça sera un peu plus détendu pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de passer au tamis ? Une farce, justement ? Une mousseline de poisson, en fait, qui va venir dans le turbo. Où après, on va rajouter une petite farce de homard avec pistache, de la menthe fraîche, des herbes, de la coriandre. Ça va embaumer vraiment, j'espère, le jury. Quels sont les produits que les Marocains vont mettre en avant pour illustrer leur cuisine marocaine ? Bah déjà, le safran, hein, je pense que c'est incontournable quand même dans la cuisine marocaine. On a ramené nos herbes, parce que c'est vrai que les herbes n'ont pas le même goût, le même parfum ici en France. Donc on a ramené quand même toute la coriandre, toute la menthe fraîche, toutes les herbes en fait. On a ramené vraiment un très beau bouquet garni par rapport à ça. Après, on a nos huiles d'olive qui sont quand même aussi parfumées, qui sont très bonnes. Et puis après, il y a toutes les épices aussi qui sont magiques et qu'on va essayer de marier au mieux pour que ça emmène et que ça donne du soleil pour aujourd'hui à Lyon. Alors vous l'avez compris, merci Sébastien, vous l'avez compris, les Marocains, ils ont fait leur marché au souk avant de venir. Ils ont été chercher leurs épices, ce qui est normal lorsqu'on a une si belle palette de saveurs pour une cuisine qui est probablement la meilleure du Maghreb, certainement même, avec une cuisine ancestrale royale marocaine qui va aujourd'hui se marier à ce savoir-faire plus occidental pour obtenir un plat, j'en suis sûr, de haute volée. Voilà, on laisse travailler les Marocains et on se retrouve dans quelques minutes. On applaudit les Marocains. Thank you, Morocco.
Voilà, le temps pour moi de répondre à mon ami Karine Tessandier sur Sierra TV. Et on reprendra la visite des box tout de suite après. Je vais mettre... So in just a short while, we're going to be communicating with the outside world. Vincent will be doing a little interview with Syrah TV. They come and join us here to check on what's happening over in the Bakuzdor. And so we'll get to see another presenter that's also doing Syrah TV. So that's going to happen in a very short while. And then we'll continue visiting to the rest of the kitchens as we move along throughout the day here at the Bakuzdor. Tout entier d'ailleurs. Alors je n'ai qu'un regret, c'est que les images que nous allons voir, eh bien, ne nous donnent pas la possibilité de goûter. Regardez. Ik heb net het deksel eraf gehaald. Dan ga ik even zo'n bakje schuppen. Dan kan hij een beetje afkoelen, want zij zo meteen even plukken. Comment tu vas, Bert? Oké, Rolf. Duplex avec l'espace concours aujourd'hui, une journée eh bien, tout à fait particulière puisque c'est le premier jour de concours pour le Bocuse d'Or.
Bonjour Vincent. Bonjour la belle Karine. Comment ça va? Comment ça va toi? Ouais, dans, ça va bien. Dans quel coin tu es toi? Moi je suis juste à côté de toi. Oh formidable. Ah, demande oui. à Régis, il le sait, il était avec moi ce matin à 9h. Ah oui, tu étais avec Karine? Oui. Oui, on a parlé du nouveau règlement du concours. Ah, le nouveau règlement, c'est très important parce que c'est un concours qui doit être évolutif. Hein. Si oui. on veut intéresser les nations à venir à ce concours du Bocuse d'Or, il faut les teaser, comme on dit. Hein. Il faut leur donner envie, il faut les affamer. Dites donc, sur mon grand écran, là, j'aperçois un gros ballon qui vole au-dessus de vos têtes. Oui, c'est parce qu'il y a des enfants qui... Non, pas du tout. En fait, c'est un dirigeable... qui est sur lequel est installée une caméra, oui. Qui nous permettra d'avoir un effet public, cet effet panoramique absolument génial. Regardez, la petite caméra est dessus, mmh. ça filme et ça va rendre compte en fait de la présence du public tout à l'heure dans les podiums, dans les gradins. Bon, vous êtes parti pourquoi pour 5h35 d'épreuve aujourd'hui? Oui, fastoche hein. Bon bah écoute, hein ouais, ils ont déjà commencé depuis longtemps. Ouais. Eux, ça fait un moment qu'ils bossent hein, déjà. Ah là là, hein. C'est sûr. Ils sont là depuis la nuit. Pour la France, il faudra attendre demain, c'est bien ça? Absolument. Oui. Le jeune Ruggieri très en forme hier soir à dîner. Enfin, stressé, tu l'imagines bien, Karine, sera présent demain sur cet espace où il y a 12 équipes chaque jour. 12 équipes chaque jour, 24 au total. Est-ce que tu as vu, Vincent, il y a un concours, une épreuve de création de posters? Est-ce que tu as vu ça? Oui, j'ai oui. vu ça. C'est tu très as vu important. Quelques-uns très important chaque année, enfin, chaque, tous les deux ans, sont oui, récompensés édition. Les équipes sur la promotion, mm-hmm. sur la façon dont ils vont rendre compte du concours à l'extérieur, dont ils vont aller chercher des fonds aussi parce que oui. les budgets sont importants. Hey. Il faut le répéter, hein, c'est un vrai engagement pour ces jeunes, Régis. Donc le poster, ça fait partie de cet effort de d'image et de promotion. Oui, il y a aussi, j'invite le jury à aller voir, il y a aussi un concours de pronostics. Ça, c'est une tradition du Bocuse d'Or, les pronostics du Bocuse d'Or. Et j'invite le public à aller sur le stand de la Cité de la Gastronomie à gauche de l'entrée du village des chefs oui. à remplir ce questionnaire avec tout le pronostic du Bocuse d'Or. On y sera, Régis. Karine, oui. Un petit mot de Régis qui vient d'aller déjà mettre son nez dans les box parce que c'est son travail ici. Oui. Il voit tout, tu sais, c'est vraiment oh, c'est Big Brother. Si hein. je pouvais. Il rate rien en cuisine. Tu nous parlais de ces points de règlement qui ont changé. Mm. Un petit mot sur l'utilisation des produits locaux. C'est très important cette année dans le Bocuse. Oui, Vincent, comme tu le dis, c'est un des points importants et des nouveautés du Bocuse. On a voulu vraiment, je ne dis pas aller dans le développement durable parce que c'est la mode, etc., mais ça correspond aux qualités des chefs. Et hier, nous avons eu le plaisir de nous balader dans tout le Syrah sur 1 km pour aller au marché. C'était quelque chose, tu l'as vécu avec ah nous. Oui, magnifique, Métro avait fait un très beau boulot. Mmh. Hein, il y avait vraiment des produits magnifiques, mais il faut savoir que les candidats, toute leur production qui était dans les paniers ont été pesées, photographiées. Et nous avons un jury spécial aujourd'hui qui va pouvoir juger de la bonne utilisation du produit. Oui. Et je vous donne un exemple. Par exemple, un candidat a envie de faire une garniture avec de la carotte. Il lui en faudrait 2 ou 3 et il en prend 10 ou il en prend 6. Et le jury aujourd'hui va vérifier que, justement, le candidat utilise au mieux. Voilà, ça c'est pas de perte. Pas de perte. C'est trop facile de prendre plus pour faire moins. Donc il faut être tout à fait sérieux sur les quantités et sur les pesées. On entre dans une ère, dans ce concours, où on va valoriser encore plus le pays, bien entendu, et surtout être dans le respect de la nature encore plus. Oui, c'est ce qu'on évoquait ce matin. On a vraiment retracé l'ensemble des changements, tous les nouveaux points dans ce règlement. Et c'est vrai que Régis n'était pas mécontent d'avoir gagné le Bocuse il y a quelques années, parce que cette année, on va même faire les poubelles, Vincent, il paraît. Eh oui. Eh oui. Voilà, il faut vider les poubelles et remplir nos estomacs. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on est là. Oui. Merci. Pardon, Régis. Oui, et puis j'allais ajouter, c'est important de donner un peu l'exemple à des pays, parce que souvent, on voudrait dire... C'est un peu vrai que c'est inaccessible, se préparer au Bocuse d'Or, ça coûte très cher. Mm. On veut revenir vers un peu de simplicité. On veut revenir vers le goût. On veut revenir vers la typicité du pays. Bocuse d'Or, c'est une terre d'accueil. Voilà, pendant 2 jours, on accueille les pays du monde entier et on ne va surtout pas les rebuter. C'est une principauté ici, le Bocuse d'Or. Oui. Voilà, hein. Pendant 2 jours, c'est un état dans l'état. Et on vit dans cet état de rêve.
Oui. Absolument. Et de gourmandise. Merci beaucoup, les garçons. Merci, Karine. À tout à l'heure. Alors, nous allons désormais... Nous voilà de retour sur le plateau. Et Régis Marcon qui nous a rejoint, vous l'avez bien compris. Olette varma, että tarvii paserata? No ei välttämättä. Jos sä laitat niitä sieniä joukkoon, niin ei niitä kanakokkareita sulta huomaa. So here we are on the stadium, and we are going to be doing some interviews throughout the day here. So I have with me here on the floor a special guest. We have Wim Kalins from the Vice President of Field Sales and Channels Europe Diversity, part of Sealed Air. Now, tell me, Wim, what's going on with Diversity that you've brought here, these new innovations to Syrah? Well, we have a very long-lasting partnership with Syrah and with Bocuse d'Or. So this event is really extremely important to us. That's why we saved some of our best innovations to really present them for the first time here on the exhibition. So this is our sneak peek, our special sneak peek. What have you brought with us? Absolutely. Well, this year we have really brought a great new technology. It's a product called Suma Combi. Sumacombi. Yes, and Sumacombi is a dishwashing detergent with a built-in rinse aid, which is really exceptional. Because if you know dishwashing in a private consumer environment, there we know detergents with built-in rinse aids since a long time. Mm-hmm. But cleaning dishes at home in a machine takes about an hour. Right. In a professional environment, we do the job in about 2 minutes. Oh, so I see. So you're saying that before, for a professional kitchen, in the dishwashing, there wasn't the rinse aid, so the dishes were more prone to spotting? Well, you have, in general, you are using two products now as a professional. You are using a detergent and then a second product, which is the rinse aid, indeed, to prevent spotting and to ensure that the glasses and the glassware look really wonderful. Spectacular, yeah. Indeed. So what we have done now is, after years of research, we managed to develop a new product, which actually, for professional machines, delivers a great cleaning result and delivers dry dishes as well after 2 minutes, which is a big step forward. So that means that it's helping everyone cut down on time, minimize costs, which is very important, and you can spend more time doing other things. Absolutely. So if you look at the new system, it's much more simple. Mm-hmm. You only need one product. Then, indeed, cost-wise, the cost in use for our customers is much better than using two products. And then also from an environmental point of view, from a sustainability point of view, the customers make a big step forward. Eh? You have less packaging, less product use, so great advantages for everyone. I love that. Okay, so now tell me, Diversity is part of Sealed Air. Why is this? Indeed, we have joined Sealed Air last year. Actually, the two companies came together because they both have this great passion for food. Mm-hmm. So Sealed Air is now the leader in food safety and food security. So basically, we can take care of food from the moment where it first starts in a farm until the moment that it reaches the table of a consumer in a restaurant. I see. So you guys are part of it from the beginning all the way into the end. So you know exactly that it's been handled in the proper temperatures throughout the entire process. Absolutely. So we are dealing with the whole process. We look into packaging. Our Cryovac brand is globally extremely well known in packaging food. Packaging food in a safe way and ensuring that it reaches the table in very good condition. You combine that with very good cleaning processes, screening procedures,
And then these combinations is actually creating a lot of advantages for our customers in the and food industry. Better for everyone's health as well. So sealed air is also helping with the development of professional activities. How? Absolutely. What we do is, as I was explaining, as we are following the whole chain from production until consumption, we do know the whole chain very well. We understand the processes, and we can help our customers in improving, in making more efficient and cost-efficient their own processes, whilst reducing the total waste which is created in the whole chain. So that's why we say we are much more than a supplier of packaging or a supplier of chemical products. We're actually a partner working with our customers, helping our customers in making their business much more successful and much more efficient, whilst ensuring that consumers not only get fantastic quality foods, but also safe foods on their tables. Perfect. That's all we could hope for. Thank you so much for joining us, Wim, here on the stage. Thank you. That's Wim Kalins from Diversey. Thank you very much. Bien, mesdames et messieurs, à ceux qui nous rejoignent, je dis bienvenue sur l'espace du Bocuse d'Or, sur ce hall Paul Bocuse, hall 6 du CIRA exhibition. Alors, je suis avec un ami du concours depuis quelques années maintenant, hein, James François pour la maison Thiénot, Alain Thiénot. Alors, déjà, donne-nous des nouvelles du champagne. En 2012, comment ça a été ? La grande nouvelle pour 2012, c'est que le champagne Thiénot a été choisi pour les Oscars du cinéma sur l'année 2013, notamment sous la remise des prix des Oscars à Hollywood le 24 février. Mais c'est pas possible, mais comment vous vous débrouillez ? Une petite maison artisanale comme ça, qui a bien grandi d'ailleurs depuis des années, vous retrouvez aux Oscars ? On a été choisi par rapport à la qualité de nos vins et par rapport à une distribution sélective. Alors justement, c'est très important, on sait que le champagne s'exporte bien, s'exporte formidablement, ça fait des rentrées de fric pour la France, et on en est très content. Dis-moi James, cette politique à l'étranger, est-ce que ça a changé le métier depuis 10 ans? Oui, il y a eu un gros développement sur l'étranger, pour la marque Thiénot, surtout sur les États-Unis, l'Angleterre, puisqu'on a une filiale en Angleterre, on est bien distribué maintenant en Asie. On est distribué sur toute l'Europe. Oui, on dirait que dans un vignoble français qui parfois est un peu souffrant, hein, d'année en année, le champagne et le rosé tirent encore le vignoble vers le haut. Ça, c'est merveilleux parce que champagne, c'est une marque. Hein. Tout à fait. L'année 2012 a été une année moyenne pour la champagne, mais on a bien tiré nos cartes sur la marque Thiénot puisqu'on s'est développé de 15%.
En dehors des Oscars, quelles sont les nouveautés chez Thiénot cette année? Alors, on a sorti une cuvée, la Vigne au Gamin millésime 2012, qui est un blanc de blanc. La cuvée Garance 2006, qui est un blanc de noir. Et notre nouveau millésime 2005. Alors, je vais décrypter. Hein, quand on dit blanc de blanc en Champagne, c'est-à-dire que c'est du vin blanc, ça on le sait, issu de raisin blanc, du chardonnay, hein, le même qu'en Bourgogne, ce merveilleux raisin blanc de Champagne. Et quand on dit blanc de noir, c'est du pinot. Et là encore, ce sont des cépages que la Champagne partage avec la Bourgogne. Tout à fait, puisque nous avons trois cépages chardonnay, pinot noir, pinot meunier. Alors, pour schématiser, on va dire, globalement, les blancs de blanc sont des vins extrêmement fins et tendus, avec moins de vinosité que justement ces blancs de noir qui sont de vrais vins plus, je ne veux pas dire charpentés, mais en tout cas avec plus d'épaule, des arômes plus puissants, plus vineux comme on dit. Oui, tout à fait, le blanc de blanc va vous apporter l'acidité, va vous apporter des arômes de miel, d'acacia, alors que le pinot noir va vous apporter de la rondeur. Alors, je suppose que si Thiénot est encore là, c'est que le concours, le Bocuse d'Or, lui réussit. C'est un accord gagnant-gagnant parce que vous bénéficiez chacun de l'image de l'autre. Être associé à un concours comme celui-là, c'est important? Ah, c'est très important pour la marque, notamment à l'export. C'est un bon support pour nous. Et puis la notoriété de Paul Bocuse est telle dans le monde entier qu'on ne peut être que satisfait de ce partenariat. Et moi, je suis très heureux de voir que d'année en année, vous glanez les récompenses dans les guides œnologiques, chez les sommeliers, et que Thiénot fait son chemin, comme le concours, comme le Bocuse d'Or. Oui, on va encore parler beaucoup de nous. Il y a beaucoup de projets dont je ne peux pas vous en dire plus, mais on le saura un jour quand même, hein, James. Bah, notamment, on est partenaire maintenant de tous les concours du Figaro. Eh ben voilà. Vous voyez qu'on en a. Mais il va revenir, James, et on va lui tirer les verres du nez un petit peu pour en savoir plus sur l'actualité de la maison Alain Thiénot qu'on est très heureux d'avoir ici sur le Bocuse d'Or. Merci, James. Merci beaucoup. Voilà, c'était donc James François de la maison Thiénot, le champagne qui est partenaire du Bocuse d'Or. Car bien sûr, ces messieurs boivent de l'eau quand ils sont en dégustation, mais entre les dégustations, on a le droit à un petit peu de champagne, c'est normal. C'est le vin qui signe la fête, qui signe un événement comme celui-là. Et il est normal d'avoir quelques bulles pour se rafraîchir entre les sessions de ce concours. Je vais retrouver Angela qui est sur le box numéro 7, car nous avions commencé ce matin à faire la visite des box. Régis Marcon qui est en train de se rhabiller, toujours très élégant Régis. Dans le box numéro 7, je vais vous demander d'applaudir très fort l'équipe des Pays-Bas. Here we are in front of kitchen number 7 for the Netherlands. Alors, vous l'avez vu, dans les gradins là-bas, dans les gradins, il y a les supporters et il y a un lion orange, on dirait le Crédit Lyonnais. Mais ne vous y trompez pas, c'est le lion des Flandres, c'est le lion des Pays-Bas. Regardez comme il est bien, il est en pleine forme. On dirait qu'il a mangé des Frosties. I hope he can see out of that. Alors Régis, ta présence, s'il fallait une raison supplémentaire pour ta présence ici sur le Bocuse d'Or, d'abord c'est parce que tu es quand même un des premiers vainqueurs de ce concours. Ensuite, tu es en charge de l'Académie des Bocuse d'Or, donc ça fait déjà deux charges énormes, hein? Oui, c'est Michel. La Winners Academy. Oui, mais tu donnes pas mal de ton temps aussi. Hein. Je crois que même si c'est Michel Roth qui en est le patron, eh bien, là, aujourd'hui, tu as une tâche supplémentaire qui est d'être notre œil technique. Parce que Angela et moi, on n'a pas cette connaissance des finesses de la cuisine. Et tu es là pour ça, toi. Je crois que vous avez encore plus de connaissances. Vous êtes à la fois tous les deux des gourmands et gourmandes. Et ça, c'est quand même le plus important. La technique. Bien sûr qu'on va en parler. Alors, ben là, nous sommes devant le stand des Pays-Bas et on voit la couleur orange qu'on va revoir d'ailleurs dans une des préparations, parce que j'ai vu qu'il y avait une préparation qui était orange à base de carottes, un petit peu un clin d'œil à ce beau pays. Et là, take a second to introduce Regis Marcon in English. So we have the very special pleasure of having Regis Marcon here with us to walk us through the kitchens. He is no stranger to the Bocuse d'Or, he's also been on the committee to help organize the new regulations for this year, for the changes this year. And
He's a gold medal winner here at the Bocuse d'Or. So welcome. And now, Regis, what do you see here in kitchen number 7? That's interesting. Voilà, donc, vous savez que le règlement a énormément évolué. Bonjour, Frédéric. Et notamment au niveau du poisson, puisque cette année, il y aura une présentation dans un plat, la viande de bœuf, et la nouveauté, le poisson sera servi sur assiette. Alors, quel est l'avantage ? Eh bien, ça correspond beaucoup plus au travail qu'on fait, bien sûr, dans les restaurants. Le jury va pouvoir, heureusement, manger un petit peu plus chaud, et ça, c'est important, hein, déguster un peu plus chaud. Régis, et... tu sais que le Bocuse d'Or, c'est un concours international, mais c'est aussi le rendez-vous de tous les chefs, de la grande famille des chefs. Et je voudrais vous demander d'accueillir ce matin chaleureusement notre ami Frédéric Anton, le chef du Précatelan à Paris. Viens là, Frédéric, regarde comme tu es beau. Et il fait partie de ces chefs bronzé, en noir. Hein. Ladies and gentlemen, we have a special guest on the front of the stage here as well today. Voilà, Frédéric, qu'est-ce que tu es venu faire? Tu es venu te nourrir ce matin parce que tu avais un petit peu faim. Hein. Je vois que tu glanes. Bah, comme d'habitude, de toute façon, j'adore ce concours. Ça fait peut-être la sixième édition que je viens voir. Alors, j'ai eu la chance samedi d'être le président d'honneur de la Catherine Cup. Donc, j'ai mangé 60 plats juste pour. Que du cochon, la charcuterie, bien sûr, tout le côté traiteur. Non, ils avaient entrée, plat, dessert. Donc, c'est toujours pareil. C'est des manifestations qui sont extraordinaires. Le Bocuse d'Or, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est le plus grand concours qui puisse exister au monde. Et puis, le niveau, la qualité du travail qui sort, c'est exceptionnel. Frédéric, toi qui es MOF, hein, meilleur ouvrier de France, est-ce que c'est un peu... T'as pas le col bleu blanc rouge, là, parce que tu es en civil, là. Il l'a caché. Est-ce que c'est un peu comparable, le Bocuse d'Or, sur le plan du travail, de ce qui est effectué? Non, c'est deux choses différentes. Le MOF, c'est beaucoup plus les classiques de la cuisine française. On demande aux cuisiniers de connaître ces classiques. Et on demande des choses bien précises qui sont établies dans les règles et qu'il faut savoir faire, exécuter et qu'on va pouvoir retransmettre aux futures générations. Le Bocuse d'Or, on se sert des bases, bien sûr, mais il y a ce côté créativité. Où là, aujourd'hui, il y a une créativité pure par rapport à la cuisine. Et puis aussi, il y a cet apparat de plats, de dressage, de décor qui fait que ça devient exceptionnel. Et là, c'est vrai qu'il n'y a aucun plat qui peut être aussi beau. Et moi, quand je vois ça, je me remets 100 ans en arrière quand on avait ce service au plat avec ces choses extraordinaires qui étaient dessus. Et ben, ça arrive un peu à ça. Tu es en train de nous dire que si ce n'était pas la crise et si on avait un roi au lieu d'un président de la République, c'est ce qu'on trouverait sur la table royale. Ah mais je pense que, regardez ces tables, ces dégustations, imaginez un roi au milieu avec ses sujets et puis les plats qui passent et on choisit et on mange ce qu'on veut. Donc je pense que ça reproduit un petit peu ça et c'est pas mal du tout. Parce que ça, c'est important de garder toutes ces traditions qu'on va retransmettre à tout le monde. Voilà, les grands chefs sont là. Merci Frédéric Anton, je vous demande de l'applaudir. Tu vois, il y a beaucoup de supporters des équipes internationales. Alors, ils sont un peu moins chauds pour toi parce qu'ils savent que s'ils t'applaudissent, ils ont l'air de soutenir la France. Alors, ouais, c'est gênant. Mais ça va venir. Hein, la chaleur viendra. Merci Frédéric. Mais tu vois, ça fait plaisir, Vincent, de voir Frédéric qui a toujours ce mot pour la transmission des valeurs. Et ça, c'est important pour les jeunes qui nous succèdent. On va dire pour certains d'entre vous, dont tu es, Régis, cette transmission, ça vous tient. Ah, oui. J'irais même éveiller la nuit hein, quand on n'arrive pas à trouver la solution au problème. Oui, la transmission vers les jeunes, c'est aussi à cela que sert ce concours. Je salue la présence de la pâtissière de Frédéric Anton, Christelle Bruat, qui est là. Salut Christelle. Alors Christelle, voilà, elle a délaissé sa progéniture. Tu sais que c'est pas facile hein, d'être une maman et d'être une grande professionnelle. Alors on va saluer Christelle au passage. Angela, have you met Christelle? No, never. She's the pastry chef of Précatelan in Paris. She works with Frédéric Anton. Nice, c'est you. Déjà du boulot hein, de travailler avec Frédéric Anton. Come join us. Rien qu'en soi, c'est déjà un travail. Christelle, venez là. Christelle, je disais, être maman et trouver le temps d'être la pâtissière d'un restaurant 3 étoiles Michelin, c'est pas facile. Hein. Non, c'est compliqué. C'est beaucoup d'organisation, on va dire. Bon, vous étiez contente, j'imagine, que la France ait remporté la Coupe du Monde de pâtisserie hier. Oui, j'ai suivi ça de loin, mais c'est super sympa.
Bah oui, au moment où on est, où on peut tous se réunir autour du drapeau pour fêter la gastronomie française, et on espère que l'équipe de France ici, Thibaut Djéry, va avoir la même énergie. La même chose demain ? Ben, la même chose demain, et on goûtera tout ça. Merci Christelle d'être avec nous. On peut l'applaudir Christelle, hein, parce que vous êtes là pour vos équipes nationales, mais ça n'empêche pas. Bien, mes amis, on va reprendre la visite des box dans une seconde, mais je vois là-bas nos amis de métro qui ont délaissé leur marché. Ils sont venus les mains vides, le panier bien dégagé du coup. Et c'est Benoît Fetti qui est avec nous. Directeur général de Métro, bonjour Benoît, comment ça va ? Oh ben formidable, mettons entre nous. Alors, Pascal Guérard l'accompagne, bonjour Pascal. Alors, Pascal, Benoît, hier, franchement, alors, je suis difficile, hein, tu le sais Benoît. Je le sais. Moi, je vois toujours ce qui ne va pas, avant ce qui va. Je suis un peu comme Régis en cuisine. Je peux être positif. Franchement, j'ai trouvé ce marché que vous avez fait pour les chefs absolument extraordinaire. Et je dois dire que de la part des chefs, c'est ça qui était incroyable, des types aussi forts que Régis Marcon, aussi forts que Gilles Goujon, aussi forts que Philippe Etchebest qui était là. On dit, on a appris des choses. C'est-à-dire, vous étiez débrouillés pour avoir des produits qu'on ne trouve nulle part, grosso modo. Alors là, je pense que les acheteurs, ils ont fait un sacré boulot, non ? Absolument. Non, ce qui est très sympa, c'est que bon, ça a été effectivement un challenge, mais que finalement, il n'y a pas eu de référencement spécifique, que c'est simplement les petits producteurs que nous travaillons au niveau local, qui approvisionnent beaucoup les entrepôts et qui finalement ont voulu faire et produire le meilleur d'eux-mêmes et les apporter sur le salon. Voilà, mais c'est quand même, il faut le savoir, et je le dis très sincèrement, ce sont des producteurs habituels de l'entreprise Métro. Mais c'est vrai qu'on a mis en place des filières locales d'approvisionnement, des filières de proximité qui font qu'on a amélioré la fraîcheur et la qualité des produits et surtout le choix. Voilà, bien sûr, je ne dis pas ça des produits exotiques, mais sur tout le maraîchage traditionnel, ce sont vraiment des producteurs en filière locale qui ont apporté les produits et qu'on peut trouver, bien sûr, dans nos entrepôts. Alors Régis nous parlait à l'instant des carottes orange qui étaient choisies par nos amis des Pays-Bas, hein, pour illustrer un peu les couleurs du national. Mais alors là, ça t'a bluffé, hein, le parterre de carottes, Régis. Oui, il y a un travail fabuleux qui a été accompli sur le marché et on ne peut que vous en remercier parce que c'est réellement une nouveauté qu'on voulait amener dans ce concours. Vous savez, finalement, on refait les choses qu'on faisait avant. Parce que les premiers Bocuse d'Or, il y avait réellement un marché au hall. Et là, on l'a reproduit en direct sur le Bocuse d'Or. C'est un exploit, je dirais, parce que conduire une délégation de plus de 140 chefs dans le Syrah sur un kilomètre, c'est pas une mince affaire. Et nous avons vécu des moments forts hier. Et ils sont importants, ces moments forts. Parce que notre métier, c'est bien sûr, on le répète sans arrêt, c'est le produit, mais en même temps, c'est la gestion de ce produit. Et aujourd'hui, vous avez tout un jury qui est là pour voir comment les produits que vous nous avez mis en valeur hier, qu'ils ont pris, comment ils vont être travaillés. Bonne gestion du produit. Pascal Guérard, moi je sais, je connais ton œil aussi, qui est un peu comme celui de Régis en cuisine, c'est-à-dire que tu vois un peu comment tout se passe. Et je te voyais regarder, je sais que tu étais super fier de tous ces ambassadeurs métro qui étaient postés aux quatre coins du marché et qui étaient là pour servir de guide aux chefs qui étaient là, qui étaient pourtant des guides, des chefs de très haut niveau, et ils s'entendaient raconter les produits par le personnel métro, par les chefs de rayon. J'étais fier de la confiance qui nous est donnée par le comité Bocuse, par Régis, sur justement ce challenge qu'on a voulu relever sur le marché, parce que c'est un vrai signe de reconnaissance. J'étais fier de voir les ambassadeurs, parce que, rappelle-toi, c'était aussi un challenge d'élever ces ambassadeurs au haut niveau où ils sont aujourd'hui et de faire en sorte qu'ils entraînent les autres. Parce que dans la démarche premium que nous avons depuis maintenant plusieurs années, il y a la démarche produit, mais il y a l'attitude aussi. Il y a l'attitude premium. Quand, comme un chef veut avoir dans sa cuisine, dans sa salle, c'est une attitude avec pleine d'étoiles. Donc il faut qu'on soit capable d'arriver à ce niveau-là. Benoît a très bien parlé des produits. Alors Régis, désolé, on n'avait pas 50 sortes de champignons. Ça va, c'est pas la saison. Vous avez tous raflé avant. Voilà, mais c'est pas la saison. Mais le challenge, c'était ça, c'est d'arriver au niveau.
Et puis beaucoup de fierté de voir les gens heureux. Moi, j'ai eu des grands moments d'émotion à voir effectivement cette attention portée sur le produit. J'ai vu des yeux brillants avec des larmettes, notamment de Frédéric, qui s'est mis en quatre avec nos équipes pour préparer tous les produits. Bon, c'est très fort, quoi. Et je trouve que c'est merveilleux, cette année, pour cette épreuve, d'amener, grâce à ce marché qui contribue, ce point d'adaptabilité, d'identité de chacun des pays qui, finalement, avec des produits, peuvent mettre leur couleur. Je trouve ça très bien. Alors, un mot, Benoît, encore, Benoît Fetti, sur ce partenariat absolument extraordinaire entre Métro et le Bocuse d'Or. Je pense que Métro a monté en puissance, là. Vous avez monté la barre d'un cran. Non, c'est clair que... Alors, on a démarré il y a quand même quelques années. Hein. C'était un partenariat très ancien. Mais c'est vrai que l'idée a été, modestement, en fait, de commencer à collaborer avec le Bocuse d'Or, de parler produits, de parler des hommes, de parler de ce qu'on faisait, d'être en proximité des cuisiniers que nous accompagnons au quotidien. Et il se trouve que, finalement, en discutant avec les uns et les autres, mais pas seulement avec les organisateurs du Bocuse d'Or, mais aussi avec nos clients au quotidien, avec Régis, eh bien, c'est vrai qu'il y avait une attente, en fait, que Métro se soit peut-être un peu plus poussé sur l'excellence, sur la qualité. Mais en fait, on l'a fait progressivement. C'est-à-dire, autant on parlait tout à l'heure des produits et on est monté en puissance sur la qualité des produits et on veut le faire au quotidien. Nos équipes aussi ont trouvé une motivation très forte autour de ce sujet. Et naturellement, en fait, je dirais presque naturellement, on est arrivé à devenir un des grands partenaires du Bocuse d'Or. Et en fait, voilà, ça s'est fait, je dirais presque... Voilà, naturellement, et en discutant avec les uns et les autres. Je voulais peut-être juste rajouter un petit point, et je voulais saluer le travail que font les maraîchers actuellement, parce que toutes ces variétés que vous voyez, aujourd'hui, c'est vraiment un travail de recherche. Ce qu'on appelait les légumes oubliés, hein, oui, notamment. Les légumes oubliés, de faire renaître des variétés anciennes sur les carottes, sur les navets, sur les pommes de terre. Le travail qui est fait sur les pommes de terre... Il y a 10 ans, il y avait quoi, 10, 15 variétés de pommes de terre. Aujourd'hui, il y en a une centaine. C'est hallucinant. Et des variétés anciennes qui sont remises au goût du jour. Et ça, c'est un travail qui est fait grâce au maraîchage, grâce à leur recherche. Et si les chefs donnent suite, c'est-à-dire sont intéressés par ce type de produit, on n'arrêtera pas de les développer. Voilà, nous, on veut se faire l'expression de ce que travaillent les maraîchers et répondre aux besoins de tous les cuisiniers. Merci beaucoup à Métro d'être là sur le Bocuse d'Or, d'être partenaire, de fournir donc tous ces beaux produits et le turbo qui est évidemment aujourd'hui en vedette. Hein, sur nos stands, on aura le temps d'en reparler. J'ai envie de dire que les maraîchers ont travaillé les légumes oubliés et que Métro s'en est souvenu. Donc voilà. Exactement. Voilà, bonne journée, messieurs. Très beau, merci beaucoup. Merci. Alors évidemment, l'estomac vide, hein, un petit peu, c'est toujours le problème sur ces Bocuse. On a des arômes qui nous montent au nez et en même temps, ça creuse l'estomac. Toutes les équipes Métro sont là. Vous pouvez aller les visiter, hein, ils ne sont pas tout prêts. Il vaut mieux avoir une trottinette, hein, pour aller sur le stand Métro qui se trouve dans le hall. Quel numéro de hall ? Dans le hall 1, 1, comme first, comme premier, comme on est là, prima. Voilà, le hall 1... Prenez vos trottinettes, allez jusqu'au hall 1 et là-bas vous serez nourris. Voilà.